Là-bas, tu n'as pas lancé? Si. Oui. Merci, École au Sénégal. Nous avons cheminé pendant une année avec École au Sénégal. École au Sénégal, comme vous le savez, est une structure d'accompagnement destinée à encourager les élèves, à les aider pour qu'ils puissent avoir des cours en ligne. Après donc nous avoir cheminé pendant presque une année avec École au Sénégal, nous voici à quelques encablures du bac pour faire une synthèse de français. La synthèse de français s'organise comme suit. Monsieur Traoré viendra dans la deuxième étape aborder d'autres séquences avec vous. Ces séquences sont le roman, la dissertation et le résumé. Voilà ce dont M. Traoré viendra tout à l'heure vous entretenir. Moi, je traite d'abord de la poésie. C'est la première séquence de la synthèse qui vous est destinée. Une synthèse qui cherche à aborder les grandes lignes du programme. En une heure de temps, comme vous le savez, on ne peut pas embrasser comme il se doit, avec tous les détails qu'il faut, le programme de français, qui, il faut le rappeler, est un programme plus ou moins vaste. Je vais aborder donc, dans la première séquence de cette synthèse qui vous est destinée, la poésie. Sans pour autant m'étendre sur ces aspects, des aspects trop théoriques. Il est vrai que les aspects théoriques peuvent nous aider, mais je vais m'appesantir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la fonction de la poésie. L'essentiel, c'est quoi? D'où vient la poésie? C'est quoi la poésie? La poésie, est-ce le fruit d'une inspiration? La poésie, est-ce le résultat d'un travail technique? Voilà une problématique à laquelle nous allons vous convier. Parlons maintenant de la poésie. Il y a quelqu'un qui disait que la poésie, c'est le commun, c'est le dire, c'est le dire commun à tous les hommes. C'est le beau dire commun à tous les hommes. C'est Yves Bonnefoy qui le disait. Autrement dit, la poésie, elle est présente dans toutes les sociétés humaines. La poésie remonte à la nuit des temps. Dans toutes les sociétés, on retrouve des poètes. Prenons cette société sénégalaise. On retrouve des poètes wolof, Sérine Moussaka, Sérine Adi Touré, on retrouve des poétesses. Et Senghor nous parle de la poétesse Maron Diaye, une poétesse à qui il voulait consacrer donc sa thèse. C'est la poésie de Maron Diaye qui devait inspirer la thèse d'État de Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est dire que la poésie, elle est présente dans l'air du temps. La poésie, elle est présente dans certains paysages, un coucher du soleil. Il y a de la poésie dans cela. Le soir, une aube montagnarde révèle des aspects poétiques. Donc, c'est dire que la poésie, elle est présente partout et en tous, comme le disait quelqu'un. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la poésie est une aptitude particulière à ressentir le monde. N'est pas poète celui qui veut. La poésie relève d'un don, celui des dieux. Il faut être inspiré pour pouvoir être un poète. Et je vous renvoie à la citation de Platon. Selon Platon, l'inspiration occupe une place centrale dans la poésie. Mais il y a des auteurs qui pensent que l'inspiration occupe une place parcimonieuse, une petite place. Pour ces auteurs, ce sont les poètes artisans. Eux, ils pensent que la poésie, c'est un travail technique. C'est la manière dont l'auteur travaille les mots. Le poète a une matière première et cette matière première, ce sont les mots. Il y a l'autre qui disait maîtriser. Pour être poète, depuis la tradition platonicienne, Orphée. Selon Orphée, il faut être inspiré. Depuis la tradition grecque, chez Orphée, il faut être inspiré pour être un bon poète. Depuis Platon, il faut être inspiré, être en mesure de composer des vers. Ils ont élaboré le travail que le poète effectue sur la forme. Lorsqu'on parle de la forme, il faut penser à la richesse des rimes, il faut penser à la musicalité des vers, il faut également penser à cette harmonie, il faut penser donc à ce vocabulaire recherché. Voilà, voilà l'opinion de ceux qui pensent que la poésie est le résultat d'un travail technique. Maintenant, je voudrais qu'on aborde les fonctions de la poésie. Comme vous le savez, tout art a action littéraire, même si l'art est conçu pour un simple divertissement, l'art est conçu, mais il faut rappeler que l'art est conçu pour suppléer à ce qui manque, comme le dit Plotin, le néo-platonicien. L'art est inventif, il supplée à ce qui manque. C'est parce que quelque chose nous manque dans notre existence que l'art est là. Pour manque, l'art est avant tout un moyen de divertissement. Donc la poésie, c'est un objet de plaisir. Roland Barthes nous parle du plaisir du livre. Lorsqu'on lit un livre, même s'il s'agit d'un roman, même s'il s'agit d'une pièce de théâtre, ce que l'on cherche chez le lecteur, c'est qu'il puisse éprouver un plaisir, que le lecteur puisse voir sa sensibilité touchée. Voilà donc, en fait, l'une des finalités de l'art. Comme tout art, la poésie appartenant à la littérature, c'est un genre littéraire, il ne faut jamais l'oublier, comme le roman, comme l'épopée, comme la nouvelle. La poésie a rempli un certain nombre de fonctions. Parmi ces fonctions, nous pouvons citer la fonction lyrique, donc fonction de la littérature, la fonction esthétique ou lyrique. C'est le divertissement. mot. La fonction ludique, la fonction esthétique ou ludique, c'est ce qu'on appelle le divertissement. La poésie cherche à divertir, ce qui a amené Léopold Sédar Senghor à dire ceci, à définir la poésie comme parole qui plaît au cœur et à l'oreille. Donc, parole qui plaît au cœur et à l'oreille. Voilà la définition que Léopold Sédar Senghor nous donne de la poésie. Et Senghor nous parle même de cette poésie qui émeut jusqu'aux larmes. C'est-à-dire la poésie doit nous amener à éprouver gloire. La poésie est objet de plaisir. La poésie, je reviendrai sur un autre aspect. La poésie est aussi objet de méditation. Cette parole qui plaît au cœur, et Senghor disait, la poésie, écrire de la poésie, c'est chanter les histoires du cœur. Chanter les histoires du cœur. Chanter les histoires du cœur. Et Senghor dit, j'emprunte cette expression à Faulkner, un romancier américain. Chanter les histoires du cœur. Autrement dit, la poésie a une fonction aussi expressive. Je vous renvoie au poète romantique. Selon le romantique, la poésie est une sorte de miroir dans lequel l'écrivain s'observe et s'analyse. Et l'autre disait que frappe le cœur, c'est là qu'est la vraie poésie. Donc, frappe le cœur, c'est là qu'est la vraie poésie. Frappe le cœur. Qu'est la vraie poésie. Frappe le cœur, c'est là qu'est la vraie poésie. Donc, Lamartine disait que la poésie, c'est ce qu'il y a de plus intime dans le cœur et de plus divin dans l'âme. La poésie provient du cœur. Lorsque l'homme éprouve un sentiment d'angoisse, un sentiment de chagrin, de tristesse, il emmagasine. Tous ces sentiments, il les conserve dans son cœur et parfois il a besoin de les extérioriser, de nous faire parler son cœur. Ce n'est pas le poète qui parle, mais c'est plutôt le cœur. Je vous renvoie, c'est la poésie lyrique. Nous sommes dans la poésie lyrique, cette fonction. Donc vous voyez, nous avons mis... Il est vrai que l'auteur exprime les sentiments qu'il éprouve au profond de lui-même. En le faisant, il nous fait vivre nous-mêmes. Il partage ses sentiments avec nous. C'est pourquoi Victor Hugo disait que quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. À insensé qui croit que je ne suis pas toi. C'est dans la préface des Contemplations. Et les Contemplations, cette œuvre inscrite au programme de la Terminale, est une véritable œuvre lyrique. Parce que Hugo dit dans la préface, qu'est-ce que les Contemplations? Il va essayer de définir le titre de son recueil. Il va essayer de nous donner une certaine signification du titre de son recueil en nous disant ceci, c'est ce qu'on pourrait appeler les mémoires d'une âme. Donc c'est l'âme du poète qui s'exprime dans ce recueil, les Contemplations. Et il dit 25 années sont dans ces volumes. Prenez l'existence d'un homme, vous enlevez 25 années, qu'est-ce qui reste? Et ces 25 années, c'est les 25 années les plus importantes de son existence. Et il dit, de l'énigme du berceau à l'énigme du cercueil. Là, donc tout simplement, je voulais vous dire que les poètes expriment leurs sentiments pour, en fait, les partager avec nous, pour nous amener à éprouver, à toucher notre sensibilité, à éprouver un sentiment de tristesse, à éprouver un sentiment de joie. Mais ils opèrent, ils effectuent un travail sur le langage pour que cela puisse, pour que la poésie puisse toucher notre cœur. Il faut que le poète, il faut que l'artiste opère fasse une opération sur le langage. La poésie est avant tout une opération sur le langage. Jeu des mots, utilisation de métaphores, le rythme du poème. Je vous renvoie au poème « Il est des nuits » de Léon-Gontran Damas. Regardez le rythme de ce poème. Vous lisez le rythme, vous lisez ce poème, vous êtes un peu attiré par le rythme. Il s'agit de rythme qui nous renvoie, qui décrit un tout petit peu la brièveté de la nuit. Il est des nuits, c'est ce qu'il dit le premier vers. Il est des nuits sans nom, des nuits sans lune, des nuits sans nom, des nuits sans lune. Voilà ce que dit Léon-Gontran Damas dans ce poème extrait de Pigment. Donc retenez que ce travail sur les mots, c'est un travail sur les mots. La poésie, ce sont des mots qui expriment des mots. La poésie, ce sont des mots qui expriment des mots. Les mots dont souffre l'homme. Ces mots sont la solitude. Et je vous renvoie à ce que disait Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il dit dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, il lyre où il manque des cordes. Nous sommes toujours dans la fonction lyrique. Cette fonction esthétique, elle est inséparable de la fonction lyrique. Il y a des fonctions qui sont intimement liées. On ne peut pas parler de la fonction lyrique sans pour autant parler de la fonction esthétique. Parce que c'est à partir du travail sur les mots que le poète parvient à toucher la sensibilité du lecteur, que le poète parvient à émouvoir le lecteur, que le poète parvient à aboutir à ce que Léopold Sédar Senghor appelle cette poésie qui émeut jusqu'aux larmes. Donc, voilà, donc, il y a, on peut aussi donner des exemples. Prenons le poème, les calligrammes. Les calligrammes. Vous ouvrez les calligrammes de Guillaume Apollinaire, poète surréaliste. Ce qui frappe avant tout l'œil, c'est le calligramme, la façon dont le texte est écrit, parce qu'un calligramme est un poème qui imite la forme de l'objet dont il parle. La colombe, par exemple, la cravate, etc., etc. Cette bouteille, le vin. Hein? Voilà, ça va attirer le regard du lecteur et en attirant le regard du lecteur, ce poème va pénétrer le cœur du lecteur. Donc, il s'agit d'un jeu. Vous avez ici des images. Et il n'y a pas seulement que les images qui sont destinées à l'œil, mais il y a des images qui sont destinées à la sensibilité. C'est les métaphores, c'est les allégories, c'est les anaphores. C'est donc, il y a également ce travail, les rimes, richesse des rimes. Les rimes. La poésie peut être considérée comme un chant. Voilà pourquoi Léopold Sédar Senghor donne le titre « Chant d'ombre ». Chant d'ombre. Selon Senghor, le poème est chant. Et si vous regardez bien, beaucoup de poèmes de chant d'ombre, Senghor demande dans beaucoup de poèmes de chant d'ombre qu'il y ait un instrument de musique. Et il s'inscrit dans la d'un instrument de musique qu'on appelle Orphée et sa lyre. Donc, c'est de cette tradition que provient même le terme lyrisme. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour la fonction esthétique ou ludique. Maintenant, nous allons parler de la fonction didactique. La fonction didactique. C'était la fonction esthétique. Petit 2, nous allons parler de la fonction de la poésie. Comme vous le savez, la littérature vise le bien, le beau et le vrai. Donc, la littérature vise le beau le bien et le vrai. La littérature vise le beau, le bien et le vrai. La littérature vise le beau, nous sommes dans la fonction esthétique. La littérature vise le bien. Autrement dit, la littérature cherche à améliorer la conduite des hommes sur la terre. La littérature cherche à inculquer des valeurs. La poésie n'échappe pas à la règle, dans la mesure où le poète est un messager du divin. Victor Hugo, parlant du poète, dit ceci: Dieu lui parle à voix basse. Le poète est un être inspiré, il est un conducteur de peuple. Le poète, il conduit l'humanité sur la route infinie du progrès. C'est pourquoi Léopold Sédar Senghor, nous parle même du poète pâtre. Le poète pâtre. Rappelez-vous, lorsque Léopold Sédar Senghor demande au poète de renoncer, d'être tout simplement autre chose que la trompette, la bouche du peuple. Donc, étant donc un messager du divin, un conducteur de peuple, le poète est obligé de transmettre des leçons de vie politique, des leçons de vie morale, des leçons de vie philosophique. Je vous renvoie aux contemplations de Victor Hugo. Victor Hugo réfléchit dans ce livre intitulé « Au bord de l'infini ». « Au bord de l'infini », c'est un livre où nous retrouvons des spectres, où des anges. Ce livre, c'est le livre de l'au-delà. Hugo réfléchit sur des questions métaphysiques. Et ces questions métaphysiques, en général, amènent l'homme à changer de conduite, amènent l'homme à revoir sa copie. Donc, regardez cette attitude stoïque que Victor Hugo a abordée dans le poème intitulé à Vilquier. Au début de la mort de Léopoldine, sa fille, Hugo ne pouvait pas supporter la douleur. Il a blasphémé. Il était sur le point de renier sa foi chrétienne. Mais dans à Vilquier, Hugo s'est repenti. Là, Hugo nous enseigne le sens du dépassement. Hugo nous enseigne cette capacité que l'homme doit avoir lorsqu'il fait face à des épreuves. Et il dit, dans à Vilquier, Hugo s'est repenti. Hein? C'est le repentir, c'est la repentance dans ce poème à Vilquier. Lisez-le, où il dit: Ô Dieu, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Donc Hugo accepte, après avoir accusé Dieu dans un autre pays et dans un autre poème, Hugo maintenant accepte de se repentir, de croire en Dieu, de croire en cette terrible réalité, en cette triste réalité qu'est la mort de sa fille Léopoldine. Donc, je prends l'exemple de Victor Hugo, je vais prendre l'exemple des gens de La Fontaine. Les fables sont écrites en vers. Les fables des gens de La Fontaine font partie de la poésie. Il n'y a pas une seule fable où vous ne trouvez pas une leçon de vie. Il n'y a pas une seule fable où vous ne trouvez pas une certaine philosophie. Les fables, ce sont donc des poèmes. Les fables chez Jean de La Fontaine, ce sont des poèmes de haute portée morale et philosophique. Donc, vous pouvez toujours prendre ces exemples. Prenons Champ d'ombre. Champ d'ombre, je suis toujours dans la fonction didactique. Champ d'ombre peut enseigner beaucoup de choses à quelqu'un qui ignore les réalités africaines. Prenons le poème où Léopold Sédar Senghor dit ceci: Toko Wali, qui écoute l'inaudible. Donc, l'inaudible, c'est Toko Wali, son oncle, qui l'a initié au mystère de la vie. Et Senghor lui rend hommage. Senghor donne des informations sur le matriarcat, qui prévaut dans la société sérère, société à laquelle il appartient. Donc, voilà des exemples que nous pouvons toujours donner qui montrent que la poésie véhicule des leçons de morale, mais aussi la poésie véhicule, inculque des valeurs. Je vous renvoie au poème de Louis Aragon intitulé « Le musée Grévin ». C'est un long poème que Louis Aragon a écrit au cours de l'occupation allemande. Et ce poème a été parachuté par l'aviation britannique. Dans ce poème, il dit « Je vous salue ma France » et il exhorte les Français à faire face, à résister. Il est vrai qu'il y a un aspect de l'engagement, mais derrière cet aspect de l'engagement, Louis Aragon enseigne le patriotisme, enseigne ce devoir de défendre la patrie lorsqu'elle est menacée. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, voilà de tels textes qu'il faut enseigner dans les classes pour que nos élèves puissent prendre conscience de leurs responsabilités. Un pays envahi par un ennemi, un ennemi redoutable, un Français demande aux autres Français de se lever pour défendre la patrie, de donner leur vie pour que cette patrie ne disparaisse pas, de donner leur vie pour que cette patrie ne soit pas occupée et condamnée à l'esclavage. Donc voilà des gens de texte dont il faut encourager l'étude dans nos classes. Ça peut insuffler un sentiment patriotique, ça peut donc inspirer un patriotisme, on ne peut plus éclairer. Donc là, je peux toujours continuer les exemples. Prenons la poésie romantique. La poésie romantique est une poésie messagère de leçons philosophiques et morales. Je vous renvoie au poème « La mort du loup » de Vigny. La mort du loup, les destinées de Vigny. La mort du loup de Vigny. Dans ce poème, qu'est-ce qu'on nous apprend? Il est vrai qu'il s'agit d'un animal, mais c'est un animal derrière lequel on peut retrouver des valeurs humaines. Et regardez le sentiment que les chasseurs vont éprouver en tuant le loup. Donc, il y a des poèmes dans lesquels on peut tirer des enseignements. Je vous renvoie même, si vous voulez, à la poésie du XVIe siècle. Je peux vous renvoyer à la poésie du XVIe siècle. Heureux qui comme Ulysse, parce qu'il ne faut pas que l'on focalise notre attention sur des aspects connus de tous. En littérature, le détail fait sens. Au-delà de l'exil, au-delà de l'éloge des éloges qu'il fait à son pays, il y a autre chose. On voit un poète qui préfère son pays à un autre pays, le pays d'exil, la Rome antique. Du Bellay préfère la France de très loin à la Rome antique, même s'il est un humaniste. Relisez bien donc ce poème « Heureux qui comme Ulysse ». Maintenant, je termine par la fonction militante. La fonction militante. Je termine par la fonction militante. Par fonction militante, il faut entendre la fonction d'engagement. Il faut entendre l'engagement. C'est quoi l'engagement? L'engagement est l'acte ou l'attitude par lequel un artiste prend conscience de son appartenance au groupe, renonce au statut de simple spectateur et met son œuvre au service d'une cause. Lorsque l'écrivain met son œuvre au service d'une cause, il est engagé. Pour le cas précis de la poésie, je commencerai par cette citation du poète chilien Pablo Neruda. Pablo Neruda définit la poésie comme une insurrection. Il dit « La poésie est... » Il dit « La poésie est une insurrection. » Il dit « La poésie est une insurrection. » Selon Neruda, Pablo Neruda, il est un poète chilien. Cette définition de la poésie révèle tout son engagement. Il considère que la poésie est révolte, la poésie est combat, mais aussi la poésie est destinée à défendre des causes. C'est pourquoi Pablo Neruda dit que la poésie est une insurrection. Poète chilien, Pablo Neruda. Donc Pablo Neruda. On ne souligne pas le nom de l'auteur, on souligne le titre de l'œuvre. Pablo Neruda, il dit que la poésie est une insurrection. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire tout simplement que la poésie est destinée à défendre des causes. Le plus souvent, ce sont des causes justes. Mais je vais remonter à la poésie du XVIe siècle pour parler de l'engagement des poètes. Je remonte à la poésie du XVIe siècle et il y a deux auteurs qui m'intéressent. Il s'agit de Agrippa d'Aubigné . L'auteur, c'est Agrippa d'Aubigné. L'autre, c'est les tragiques. Les tragiques. J'ai l'habitude de commencer toujours par le nom de l'auteur. Pierre de Ronsard. Discours des misères de ce temps. Voilà deux recueils qui m'intéressent au XVIe siècle pour illustrer cette fonction engagée. Il s'agit des tragiques d'Agrippa d'Aubigné et du discours des misères de ce temps. Vous le savez, au XVIe siècle, des guerres de religion ont ensanglanté la France. Au XVIe siècle, ces guerres de religion ont opposé catholiques et chrétiens. Catholiques et protestants, excusez-moi, et je ne vais pas revenir sur les causes donc de ces guerres de religion, mais ces guerres de religion, il faut rappeler qu'elles ont été à l'origine d'une violence inouïe en France, et deux autres se sont engagés pour dénoncer ces violences, pour réclamer la pacification du pays, pour réclamer un pays de paix, de concorde, de symbiose, un pays de stabilité. Et ces deux auteurs sont Agrippa d'Aubigné et Pierre de Ronsard. Il est vrai que Agrippa d'Aubigné a voulu prendre parti pour les protestants et Pierre de Ronsard, lui, il défend les catholiques. Mais tous les deux ont fustigé cette violence inouïe qui a engendré des conséquences néfastes. Et dans un de ses poèmes, Agrippa d'Aubigné nous enseigne l'humanisme en disant l'amour du prochain, en dénonçant ce qu'il a vu. L'homme est en proie à l'homme, un loup pour son semblable. C'est ce qu'il dit. Et là, il nous renvoie au Homo homini lupus de Hobbes. Donc, 16e siècle. Prenons la poésie du 19e siècle. les romantiques. Les romantiques. Les romantiques, Lamartine, Victor Hugo. Je me limite à ces deux auteurs. Lamartine, dans son poème intitulé Réponse à la Némésis. Réponse Dans ce poème intitulé Réponse à la Némésis, Lamartine dit ceci. Lamartine conçoit que le poète ne doit pas avilir sa muse, que le poète doit s'intéresser aux préoccupations du peuple, que le poète doit défendre son peuple, que le poète n'a pas seulement à exprimer ses sentiments personnels, que le poète ne doit pas seulement être préoccupé par la beauté formelle, que le poète ne doit pas être uniquement préoccupé par le succès, mais les préoccupations du peuple doivent attirer l'attention du poète. C'est pourquoi, lorsqu'il a été attaqué dans ce journal, la Némésis, il a été attaqué par un autre poète qui lui reproche d'avilir sa muse, qui lui reproche de se prononcer sur les problèmes de son temps. Vraiment, Lamartine va apporter une réponse à ce poète qui lui reproche de prendre part au combat politique. Et Lamartine, n'oubliez pas qu'il s'était même présenté à l'élection présidentielle en France. C'est dire que son engagement est aussi un engagement politique. Si je prends Victor Hugo, son engagement n'est plus à démontrer. N'oubliez pas que lors du coup d'État de 1851, si ma mémoire est bonne, Hugo a été recherché activement. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé le coup d'État. Vous savez, Victor Hugo est un républicain. Victor Hugo est un légaliste. C'est quoi un républicain? Un républicain, c'est quelqu'un qui croit au commun vouloir de vivre ensemble. C'est quelqu'un qui pense que la patrie nous appartient à nous tous. Il est un légaliste, il se conforme aux lois. C'est pourquoi il ne pouvait pas accepter ce coup d'État du 5 décembre 1851. Il l'a dénoncé et sa tête était mise à prix. Avec de faux papiers, Victor Hugo va traverser la frontière franco-belge et il va se réfugier dans les îles anglo-normandes. Et quand il s'est réfugié dans les îles anglo-normandes, il a composé un recueil satirique intitulé Châtiment. Donc, Châtiment. Châtiment, voilà un recueil composé au cours de l'exil pour flétrir les mauvais comportements, les habits de pouvoir du règne de Napoléon III. Et il va le caricaturer en l'appelant Napoléon le Petit. Napoléon Il définit Napoléon, il le considère comme un nain politique, comme quelqu'un qui ne mérite pas la confiance du peuple, comme quelqu'un qui politiquement ne pourra absolument rien faire, quelqu'un qui ne va jamais égaler ses prédécesseurs, et il le nomme Napoléon le Petit. Voilà qui montre encore une fois que la poésie a une fonction militante, qu'il y a des poètes engagés, c'est-à-dire des poètes qui se préoccupent de la situation parfois lamentable de leur peuple. Permettez-moi, avant de clore cette fonction militante de la poésie, de parler du rôle fondamental qui a été joué par les poètes de la négritude. Parce que je vois que parfois, on ne donne pas des exemples. puiser dans notre littérature africaine, la littérature à nous. Donc, nous venons au XXe siècle, avec XXe siècle, les poètes de la négritude, Aimé Césaire, Senghor, Léopold Sédar Senghor, David Diop, Jacques Rabé-Manandjara, poète malgache. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'engagement en politique sans pour autant parler du rôle déterminant qui a été joué par les poètes de la négritude dans le processus de libération des peuples africains. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour répondre à celui qui considère que les lettres, la littérature n'a pas de sens. La réponse que je lui donne, c'est que le jour où l'homme sera privé de littérature, il perdrait le seul moyen de léguer son image à l'histoire. Donc, les poètes de la négritude. Aimé Césaire, lui, il est très clair dans cette citation connue de tous. « Ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, m'envoie la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. » Et donc, il envisage son retour au bercail, dans le cahier de retour au pays natal. Mon cœur bruissé de générosité emphatique, je viendrai à ce pays mien, et je lui disais, et je lui dirai, si je ne sais que parler, je ne parlerai que pour vous. Si je ne sais que parler, je ne parlerai que pour vous. Donc, Aimé Césaire, il s'est autoproclamé porte-parole de son peuple, tout comme Aimé Césaire, et tout comme Léopold Sédar Senghor le fera dans ce dernier et long poème de Chant d'ombre. Hein? Dans ce poème, le retour de l'enfant sédeur. Nomme-moi ton Djali, nomme-moi son Djali, je serai son griot, son porte-parole, son ambassadeur. Il parle de son peuple lorsqu'il s'adresse à l'éléphant de Bicelle. Donc, Senghor aussi a voulu être le porte-parole de son peuple, ce peuple colonisé, ce peuple privé de ses ressources, ce peuple ensauvagé, ce peuple brutalisé, ce peuple dont on détruit, dont on hypothèque l'avenir, ce pays dont on détruit les ressources, mais également les cultures. Senghor a voulu être donc l'avocat de son peuple et il le fait bien dans Hostie Noire. Comme l'indique le titre Hostie Noire, il s'agit d'un titre au symbolisme chrétien. Senghor considère tous les Noirs comme des victimes, hosties noires. Donc, il parle de matériaux hosties noirs. 1947. Léopold Sédar Senghor, il parle de matériaux religieux pour aboutir à une création littéraire. L'hostie renvoie au symbolisme chrétien. Hein? Et maintenant, à partir de ce titre, il veut tout simplement dire que tous les Noirs sont des hosties, des victimes offertes en sacrifice. Tous les Noirs ont été sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme et de la colonisation. Et dans Hostie Noire, comme vous le savez, il dénonce le massacre des tirailleurs de Thiaroye, ces tirailleurs qui ne faisaient que réclamer le droit et qui ont été fusillés. Hein? Il dit ceci, tout le monde le sait même, mais mes frères morts sous la glace, mes frères sous la glace et la mort. Il rend un vibrant hommage. Je ne laisserai ni les généraux, ni les diplomates. Je ne laisserai ni les lois de mépris vous enterrer furtivement. Si quelqu'un doit vous chanter, c'est moi, le poète Djali. C'est moi, votre frère d'armes. Parce que Senghor a été tirailleur. Senghor, il a fait donc la guerre, il a fait... L'exemple de David Diop, coup de pilon. Dans coup de pilon, le poème des vautours témoigne de tout l'engagement de David Diop dans les vautours. Il utilise une métaphore péjorative, c'est les vautours. Cette métaphore péjorative lui permet de désigner les colonisateurs blancs. Ces colonisateurs, cette image que vous voyez, macabre, le sanglant monument de l'ère, c'est les abus, les dérives du système colonial. En ce sens, David Diop est un poète très engagé. Et analysant son œuvre, le critique littéraire Locha Matessou disait « C'est un véritable coup de tonnerre dans le ciel de la colonisation ». Je vais terminer par les poètes surréalistes. On ne peut pas aborder la question de l'engagement sans pour autant parler des poètes surréalistes. Tout à l'heure, je vous ai fait part de ce long poème qui a été parachuté par l'aviation britannique au cours de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Ce poème qui a été écrit par Louis Aragon et intitulé Le Musée Grévin. Dans ce poème, Aragon exhorte les Français à se mobiliser, à combattre l'ennemi commun. Donc, voilà des poètes qui sont extrêmement engagés. Et donc, ils ont été, beaucoup d'entre eux se sont mobilisés. L'un d'eux a été transférés dans un camp en Tchécoslovaquie, ils ont exprimé leur engagement et ils ont participé à la lutte de libération lors de la Deuxième Guerre mondiale pour libérer leur pays. Parmi eux, Louis Aragon, qui donne même le recueil intitulé « Poème de guerre ». Cette séquence avait porté donc sur la poésie. Nous allons prendre une petite pause pour peut-être venir vous donner un exercice sur la poésie. Bonne chance, chers candidats. Nous demandons aux parents d'encourager les candidats afin que Dieu leur donne ce sésame. Merci. Une petite pause qui va nous permettre de prendre un rafraîchissement. yow ne nga kay waaw. Merci. Après cette petite pause, nous allons aborder avec vous un exercice littéraire. Cet exercice, comme vous le savez, fait partie des trois qui sont proposés au baccalauréat. On vous propose un exercice de dissertation, un exercice de résumé suivi de discussion et un exercice de commentaire. Pour l'exercice de commentaire, vous avez le choix entre le commentaire suivi et le commentaire composé. Il y a donc deux types de commentaires. Contrairement au résumé, dans lequel vous devez partir d'un texte long pour aboutir à un texte beaucoup plus court. Dans le commentaire, vous partez d'un texte court pour aboutir à un texte beaucoup plus long. Et nous allons faire un petit jeu de mots. Le commentaire vise ceci. Le commentaire cherche à réussir comment taire les secrets du texte. On vous présente un texte et on dirait que ce texte présente des secrets. D'ailleurs, comme tout texte, un texte est toujours encodé. Le langage utilisé dans un texte est le plus souvent codé. Il faut décoder le texte. C'est ce qu'on vous demande de faire dans un commentaire. C'est pourquoi la question suivante mérite d'être posé. Comment taire les secrets du texte? On essaie donc de répondre à cette question dans le cadre d'un commentaire. Donc le commentaire, d'abord on va commencer par le commentaire suivi. Mais avant, un commentaire n'est rien d'autre que l'analyse fouillée, une analyse fouillée, approfondie d'un texte. L'élève doit rendre donc, les richesses formelles du texte. Ces richesses formelles renvoient aux figures de style, au rythme du texte, aux rimes, aux sonorités, etc., etc., etc. Toutes ces ressources formelles du texte doivent être rendues, doivent être exploitées dans le cadre d'un commentaire, qu'il soit suivi ou composé. Maintenant, parlons du commentaire suivi. Le commentaire suivi est aussi appelé commentaire linéaire. C'est quoi un commentaire linéaire? Bon, un commentaire linéaire est un commentaire dans lequel l'élève doit suivre le texte pas à pas, ligne après ligne, vers après vers, phrase après phrase, lorsqu'il fait le commentaire proprement dit. Mais si nous prenons le commentaire suivi, il y a combien de parties? Nous avons 3 parties dans un commentaire suivi. Vous avez une introduction, vous avez le corps du devoir qu'on appelle commentaire proprement dit. Et enfin, vous avez une conclusion. Donc vous avez l'introduction qui doit être rédigée en un seul paragraphe. C'est quoi? Comment on doit introduire un commentaire suivi? D'abord, il y a ce qu'on appelle la citation. Dans un commentaire suivi, comme d'ailleurs comme dans un commentaire composé, vous avez une citation, puis vous avez l'idée générale, et enfin, vous avez le plan. Pour la citation, il faut partir de l'auteur ou de l'œuvre. Mais il y a beaucoup d'élèves qui me disent, mais monsieur, si nous ne connaissons pas l'auteur, comment nous pouvons apporter des informations sur un auteur que l'on ne connaît pas? Comment on peut apporter des informations sur une œuvre que nous n'avons pas lue? Mais il n'y a pas que l'auteur et l'œuvre qui nous permettent de studier un texte. Il y a également le paratexte. L'élève peut exploiter le paratexte pour situer un texte. Le paratexte, c'est quoi? C'est le titre du texte, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre. Ce sont des notes qu'on vous donne. Ça peut être un chapeau. Un texte peut porter un chapeau, comme un paysan qui va au champ lorsque le soleil est au zénith. Ce chapeau même, parfois, peut vous aider. Mais ne recopiez pas les chapeaux de grâce. Le plus souvent, lorsqu'on donne au bac un auteur qui n'est pas trop connu, ou bien qui peut poser problème aux élèves, on donne un chapeau. Hein? Ce chapeau ne doit pas être copié, mais doit faire l'idée, l'objet d'une exploitation sérieuse. À partir de cette exploitation, vous serez en mesure de trouver une situation acceptable. Donc, il ne faut jamais oublier cela. Je suis dit, si je connais l'œuvre, quand il s'agit d'une œuvre au programme, comme si on vous donne un extrait de Chant d'Ombre, vous pouvez situer cet extrait en partant de Victor Hugo. Et quand vous situez en partant de l'auteur, il faut donner tout simplement le courant littéraire auquel appartient cet auteur, et il faut parler de la place de l'auteur dans ce courant et dans la littérature. Maintenant, après avoir situé, il y a possibilité même de situer à partir d'un thème, ce qu'on appelle la situation thématique. Quand vous avez un thème, vous pouvez situer à partir d'un thème. Vous lisez le texte très attentivement, même les consignes qu'on vous donne, le commentaire suivi est accompagné d'une consigne. À partir de la consigne, vous allez trouver des thèmes. En lisant même le texte, vous allez trouver des thèmes, et ces thèmes vont vous aider à pouvoir trouver une situation acceptable. L'idée générale, c'est un autre titre qu'on donne au texte. Si le texte a un titre, l'idée générale, mais quand on donne une idée générale, on doit se servir d'un verbe introducteur. L'auteur évoque. L'auteur relate. L'auteur fait part. L'auteur exprime, l'auteur raconte, etc., etc., etc. Donc, l'idée générale, mais avant de dégager l'idée générale d'un texte, vous devez poser ces questions. Qui parle dans le texte? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? À quoi parle-t-il? À qui parle-t-il? Parce qu'il ne faut pas confondre l'auteur et le narrateur. Parfois, vous avez un texte. Si nous prenons, je l'ai dit, voilà. Donc, si vous prenez, voilà, donc. Et ensuite, il y a le plan. Le plan, vous lisez le texte, il faut suivre le cheminement de la pensée de l'auteur. Et après avoir suivi le cheminement de la pensée de l'auteur, vous serez en mesure de dégager le plan. Et un plan ne doit pas dépasser 3 parties. Pour le commentaire proprement dit, n'oubliez jamais de séparer l'étude du fond de celle de la forme. Vos professeurs vous l'ont dit. Et enfin, on va parler de la conclusion. Pour conclure un commentaire, qu'il soit un commentaire suivi ou un commentaire composé, il faut faire le bilan de l'explication détaillée du texte Et là, vous allez utiliser un connecteur logique, en définitive, en somme, etc. Puis, vous jugez le texte au plan formel ou au plan littéraire, au plan esthétique. Par la suite, vous faites la comparaison entre l'auteur du texte, du commentaire, et un autre auteur. Il faut essayer de voir s'il y a un thème abordé par l'auteur du texte, l'auteur dont le texte fait l'objet de votre commentaire, voir s'il y a un autre auteur qui a abordé donc ce thème. Je vous remercie. Voilà, donc parce qu'il y a d'autres aspects du programme. Il y a l'autre professeur qui vient, M. Traoré, qui va aborder avec vous la dissertation, le roman, et ça va avec un sujet à l'appui. Je vous remercie. On t'a pas voir. C'est bon. Voilà, donc après la première partie de la révision synthèse en français présentée par monsieur Félix Ibrahim Mboup, c'est un autre Ibrahim qui passe pour la deuxième partie donc, de cette séance de révision synthèse pour accompagner nos candidats au baccalauréat, donc pour la session 2021. Donc, le menu de la deuxième partie va porter sur une première séquence, donc séquence numéro 1, sur le roman. Ensuite, une deuxième séquence, séquence 2, qui va porter sur la dissertation littéraire. il faut bien le préciser, le qualificatif littéraire, parce que nos autres collègues historiens, géographes, juristes font de la dissertation, donc, et chaque discipline a sa propre méthodologie. Donc, nous allons aborder donc, la méthodologie de la dissertation littéraire. Ensuite, séquence 3. La séquence 3 va porter sur une autre épreuve du baccalauréat, qui est le résumé suivi de discussion. Le résumé de discussion. Donc, voilà les trois séquences qui constitue le menu de la deuxième partie de cette séance de révision synthèse pour accompagner nos candidats au baccalauréat pour la session 2021. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la première séquence qui porte sur le roman. Donc, première séquence, le roman. Donc, nous allons aborder le roman de manière synthétique, parce que l'objectif de cette séance de révision synthèse, ce n'est pas de reprendre le programme, mais c'est de faire un résumé de l'essentiel du programme de français pour les candidats au baccalauréat. Donc, pour le roman, nous allons aborder une première partie du roman en grand A sur la présentation générale du roman. Donc, dans la présentation générale du roman, nous allons aborder sa définition, et par définition, on peut résumer le roman à un genre littéraire qui se résume à un long récit en prose. La prose s'exprime sous forme de phrases. Donc, le roman est un long récit imaginaire en prose. Donc, avec des personnages romanesques nombreux, et chaque personnage de roman est attaché à un rôle. Mais aussi, on pourrait compléter la définition du roman comme étant un long récit imaginaire peuplé et meublé de personnages romanesques. Mais aussi, ces personnages évoluent dans un espace et un temps, ce qu'on appelle en littérature le cadre spatio-temporel. Et tout cela est organisé à l'intérieur d'une fiction. Dans un roman, la fiction est ce qu'on pourrait considérer comme étant l'histoire même du roman. Donc, par définition, le roman est un long récit imaginaire en prose, peuplé et meublé de personnages romanesques. Pour des exemples de romans, je crois qu'on peut citer des exemples de romans à suffisance. Du collège au lycée, on peut citer Une si longue lettre de Mariama Ba, on peut citer Une vue de Poé de Ferdinand Oyono, on peut citer Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Donc, on peut citer L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. On peut citer Les soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma. On peut citer L'étranger d'Albert Camus, pour rester un peu dans le cadre de certains romans au programme. Donc, voilà pour la définition. Après la définition, il faut aussi s'arrêter de manière synthétique et résumée sur l'organisation du roman. Et d'ailleurs, en parlant de l'organisation du roman, dans la définition, il y a certaines composantes du roman qui ont été injectées dans la définition. Qui parle de roman, le roman est organisé à travers une histoire de roman qu'on appelle la fiction. Donc, le roman organisé en fiction. Parmi les éléments qui organisent le roman aussi, il y a l'espace et le temps du roman. Ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel, qui parle de roman aussi. Le cadre spatio-temporel, c'est ce qu'on appelle l'espace, là où se passent les événements imaginaires du roman, et le temps. Donc, je souligne, autre élément qui organise le roman, c'est l'espace et le temps. et qui parle d'organisation du roman ne saurait se taire sur la composante qu'on appelle les personnages. Les personnages de roman. Les personnages romanesques. Voilà donc de manière résumée la présentation générale qu'on peut faire de ce genre littéraire qui est le roman. Donc le roman est organisé comme une histoire imaginaire. Et c'est cette histoire imaginaire qui est appelée dans le vocabulaire de la littérature la fiction. Le roman est organisé aussi, l'histoire se déroule dans un espace, dans des lieux qu'on appelle l'espace du roman. Et chaque événement est attaché à un temps T précis. C'est pourquoi dans l'organisation générale du roman, on parle aussi du cadre spatio-temporel, ou de manière plus simple, l'espace et le temps du roman. Et l'histoire imaginaire du roman, on ne saurait faire avancer une histoire sans des personnages. Et les personnages qui évoluent dans le roman, les personnages qui peuplent et qui meublent le roman, sont les véritables acteurs de cette histoire imaginaire. Ce sont eux qui font avancer l'histoire imaginaire du roman, de ce qu'on appelle le début jusqu'à la fin. Voilà un peu de manière amassée l'organisation du roman, comme une histoire imaginaire, une longue histoire imaginaire qu'on appelle la fiction, l'espace et le temps du roman, et les personnages qui peuplent et qui meublent cette histoire imaginaire du roman. Donc après la définition et l'organisation du roman, nous allons donc enchaîner par un aspect très essentiel du programme portant sur le roman, à savoir les fonctions du roman. On ne saurait parler du roman dans le programme de littérature en classe de terminale sans quand même accorder une place essentielle aux différentes fonctions, les différentes fonctions du roman. Donc, on a abordé donc, en premier lieu, donc c'était en A, présentation générale du roman. Donc, dans la seconde partie, nous allons aborder les fonctions. Donc, en B, les fonctions du roman. Et qui parle des fonctions du roman sont à rattacher un peu avec les fonctions de la littérature de manière générale. Bien que le roman soit un genre assez particulier, mais l'essentiel des fonctions du roman recoupe avec les fonctions de la littérature. On va d'abord enchaîner par une fonction qui fait presque l'unanimité dans le domaine de la littérature, qui est la fonction évasive, ou si vous voulez, la fonction d'évasion. Cette fonction de la littérature est illustrée par la pensée d'un grand écrivain, Guy Descartes. Il dit que le roman n'a pas à délivrer de message. Le roman, c'est l'évasion. Donc, pour Guy Descartes, l'essentiel ou la quintessence du roman se résume à sa fonction d'évasion. Mais il faudrait peut-être expliquer à nos candidats au baccalauréat le mot évasion. Évasion découle du verbe s'évader. S'évader, c'est fuir ici pour aller ailleurs. C'est la quête de l'ailleurs. Et celui qui fuit ici pour ailleurs, c'est parce que ailleurs présente plus de quiétude, plus de tranquillité. Ailleurs présente plus de paix, plus de, en tout cas, mieux-être, plus de bien-être qu'ici. C'est pourquoi la fonction d'évasion, ou si vous voulez, la fonction évasive du roman, est une fonction essentielle, une fonction d'ailleurs qui fait l'unanimité, en tout cas dans le cadre de la littérature, parce que le roman, aussi bien pour l'auteur, le romancier, que pour le lecteur, l'écriture ou la lecture du roman peut permettre à celui qui écrit ou à celui qui lit le roman de trouver un moment de tranquillité, un moment de paix, en tout cas, de profiter du plaisir du texte, pour paraphraser un grand écrivain, Roland Barthes. Donc, ce plaisir qu'on tire de la lecture ou de l'écriture du roman, le fait de quitter, en tout cas, un ici, pour aller vers la quête d'un ailleurs meilleur, c'est cela qu'on appelle la fonction évasive. Et elle est illustrée par la pensée d'un grand écrivain, Guy Descartes. Il dit que le roman n'a pas à délivrer de message. On ne doit pas attacher au roman une autre fonction. Pour lui, le roman, c'est l'évasion. Le roman doit nous permettre. Et d'ailleurs, elle est aussi illustrée par un passage d'un roman sénégalais, en tout cas, qui fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature sénégalaise et de la littérature universelle et africaine de manière générale. Une femme, en tout cas, de culture qui est d'un talent immense, Mariama Ba, à travers les pages de son excellent roman « Une si longue lettre », il dit que la confidence noie la douleur. Mais celui qui écrit, il est dans une sorte de confidence. Il se confie, il partage ses secrets intimes, il les couche sur une page de roman. Donc, en trouvant le moyen de lire ou d'écrire un roman, on trouve là une occasion, une belle occasion de se soulager. Donc Mariamba a parfaitement raison. Pour illustrer la fonction évasive, il dit que la confidence noie la douleur, la confidence soulage la douleur. On peut se soulager à travers l'écriture d'un roman, on peut se soulager par la lecture d'un roman. Donc voilà donc en quelques mots, de manière résumée, cette fonction essentielle du roman qui est la fonction d'évasion. On ne saurait parler du roman aussi sans aborder une fonction qui a traversé toute l'histoire de la littérature de manière générale, qui est la fonction engagée, que mon collègue Boub a abordée sous le vocable de la fonction militante. C'est la même signification. Donc le roman s'inscrit aussi dans une fonction qu'on pourrait appeler le rôle d'engagement du roman. Donc, le romancier trouve à travers les pages de son roman une parfaite illustration de ce que beaucoup d'écrivains ont théorisé sous le vocable de l'engagement. L'engagement, d'ailleurs, qui est une problématique. À nos candidats au baccalauréat, je crois que tout le monde est averti que la problématique de l'engagement, de manière générale, dans la littérature et en particulier dans le roman, est une problématique centrale parce qu'elle a traversé toute l'histoire de l'humanité. Le combat des hommes n'est pas le combat d'un jour, c'est le combat de toujours. Et quand on parle de combat, chacun lutte avec l'instrument, l'arme qu'il a entre ses mains. Les romanciers ont l'arme de l'écriture. D'ailleurs, une arme efficace. Dans notre culture, la parole a une force immense. La parole qui peut se transformer en écriture. La parole qui peut se transformer sous la forme de l'écriture. D'ailleurs, dans le langage populaire sénégalais, on dit « wahbal ». La parole a la force et la dimension d'une arme. Et par cette force et cette puissance de la parole, le romancier utilise donc le roman comme un moyen, un instrument de combat. D'ailleurs, Victor Hugo l'a dit dans un autre contexte, celui de la poésie. Il dit que la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. On pourrait paraphraser Victor Hugo, qui l'a dit dans le domaine du roman, pour l'adapter un peu dans le contexte du roman, que le roman aussi n'est pas un ornement, mais c'est un instrument de combat. Et d'ailleurs, beaucoup de romanciers ont fait de l'écriture romanesque une arme de combat. On peut citer, en se situant dans le contexte de la colonisation de l'Afrique, la lutte pour la décolonisation, certains ont pris leurs armes pour se battre contre le colonisateur et les romanciers ont utilisé la force et la puissance de l'écriture romanesque. On peut citer quelqu'un comme dans le programme là de littérature du lycée, on peut citer quelqu'un comme Ferdinand Oyono dans son excellent roman Une vie de boy, donc qui dénonce la colonisation dans ses aspects d'injustice, de violence. Donc on pourrait donc l'illustrer, l'engagement du roman à travers le roman de Oyono, Une vie de boy, ou bien dans un autre roman du même auteur, Oyono, Ferdinand Oyono, Le vieux nègre et la médaille. On pourrait illustrer l'engagement du roman à travers aussi un grand romancier et cinéaste sénégalais, Sembène Ousmane, dans Les bouts de bois de Dieu. Dans ce roman aussi, on sent l'engagement du romancier et du cinéaste Ousmane Sembène dans le cadre de la dénonciation de la colonisation. Donc le roman joue une fonction éminemment militante. La fonction militante qui peut s'exprimer aussi sous le vocable de l'engagement du roman. Donc en dehors de la fonction d'évasion, le roman joue aussi une fonction d'engagement quand le romancier met sa plume au service d'une cause. L'exemple que j'ai cité pour les romanciers qui se sont engagés contre la colonisation, ces romanciers ont mis leur plume au service de la décolonisation, la lutte pour mettre fin à l'injustice de la colonisation, la lutte pour mettre fin à la violence de la colonisation. Mais le roman aussi peut recouvrir d'autres fonctions. En dehors de la fonction d'évasion et du rôle d'engagement, on peut citer aussi la fonction éducative. Donc, mon collègue Mboub l'a théorisé tout à l'heure pour ce qui concerne le roman sur la fonction didactique ou didactique. Donc, c'est quand le roman, la fonction éducative, c'est quand le roman véhicule un certain nombre de valeurs, quand le roman exprime un certain nombre de principes. Et on le retrouve souvent dans certains romans où on peut trouver la fonction, on peut illustrer la fonction éducative de plusieurs manières. D'ailleurs, je crois que la fonction didactique ou la fonction éducative est liée même au roman et à tous les romans. Je crois que l'exemple le plus simple et le plus banal, c'est que toute lecture est porteuse de savoir. Quand on se livre à la lecture d'un roman, on enrichit son vocabulaire, on enrichit sa culture générale, on enrichit sa culture littéraire. Donc, rien qu'à ce point de vue, on peut considérer que le roman, en l'envisageant du point de vue du lecteur, le lecteur y trouve une occasion de se former, mais aussi de trouver des valeurs qui sont des valeurs morales. Du point de vue de la lecture, elle enrichit le vocabulaire, la lecture enrichit la culture littéraire et la culture générale du lecteur. Rien qu'à ce point de vue, on peut considérer donc que le roman a une fonction éminemment éducative. Ça, c'est l'aspect éducatif dans la transmission des savoirs. Mais l'éducation à travers les valeurs, il y a des romans qui véhiculent un certain nombre de valeurs. Des valeurs liées à l'éthique, la morale, des valeurs qui peuvent être des valeurs sociales, des valeurs qui peuvent être des valeurs même religieuses ou même des valeurs culturelles. Donc quand on parle d'éducation, il y a un ensemble de valeurs qui sont véhiculées à travers le roman. Ça peut être des valeurs liées à la culture, des valeurs culturelles, ça peut être des valeurs liées à la religion, qu'on appelle des valeurs cultuelles. Donc nos candidats, pour vraiment faire la différence entre les deux, le culturel, c'est tout ce qui est en rapport avec les valeurs transmises par la culture ou les cultures d'un peuple. Alors que les valeurs cultuelles, dans cultuel, vous avez culte. Donc, dans la fonction éducative, on transmet des valeurs culturelles. Et il faut ne pas les confondre avec les valeurs cultuel. Dans cultuel, vous avez culte, ça renvoie à des valeurs religieuses. Toujours pour illustrer la fonction éducative. Donc, qui dit éducation, donc, il y a une double fonctionnalité de l'éducation. L'éducation en tant que transmission des savoirs, mais aussi l'éducation en tant que transmission des valeurs. Toutes les valeurs confondues, que ce soit les valeurs morales, les valeurs culturelles, les valeurs liées à la religion, les valeurs culturelles ou si vous voulez religieuses. Donc le roman joue ses fonctions éminemment importantes que sont la fonction d'évasion, la fonction d'engagement, la fonction éducative. La fonction d'évasion qu'on pourrait associer aussi à la fonction de divertissement. Parce que celui qui s'évade, le roman offre le prétexte au lecteur de quitter le monde réel pour voyager et se transposer dans un monde imaginaire, un monde qui est fait de rêves, un monde qui est fait souvent de bonheur, un monde qui est fait souvent, en tout cas, de quiétude. Et en s'évadant, on trouve aussi un certain plaisir, on trouve un certain bonheur à simplement voyager du monde réel à ce monde imaginaire. Donc, on peut associer la fonction évasive à la fonction de divertissement. Donc, pour nous résumer sur le roman, qui est un genre majeur d'ailleurs dans le programme qui est proposé à nos candidats au baccalauréat, le roman occupe une place centrale. On l'a abordé de façon ramassée dans sa présentation générale à travers sa définition et son organisation. Ensuite, on a abordé cet aspect du programme de littérature qui est le roman dans ses fonctions, à savoir ses fonctions essentielles, la fonction d'évasion qui est rattachée à la fonction de divertissement, le rôle militant ou le rôle d'engagement du romancier. Le romancier trouve un prétexte de s'engager et de défendre une cause à travers son roman. La fonction éducative qu'on pourrait rattacher aussi au rôle didactique dans sa double facette d'éducation à travers la transmission des savoirs, mais aussi le roman peut éduquer à travers la transmission des valeurs, toutes formes de valeurs confondues, que ce soit les valeurs culturelles, les valeurs morales, les valeurs culturelles ou religieuses, ou les valeurs simplement qui sont liées à d'autres aspects. Voilà donc de manière ramassée donc, le contenu qui est rattaché à la première séquence qui est le roman. Et sans plus tarder, nous allons donc avancer vers la matière qui nous permettra, le roman est une matière en tout cas, ça permet aux candidats au baccalauréat d'acquérir suffisamment de culture littéraire et de culture générale pour pouvoir aller sereinement vers les épreuves du baccalauréat. Et qui dit épreuve du baccalauréat ne saurait occulter une épreuve centrale qui est la dissertation littéraire. Donc la transition est toute trouvée pour passer du roman en tant que matière d'acquérir des connaissances de la culture littéraire et générale pour pouvoir exceller dans l'épreuve du baccalauréat qui est la dissertation littéraire. Donc voilà la transition pour passer du roman à la dissertation littéraire. Donc, la dissertation littéraire, j'insiste sur le qualificatif littéraire parce que nos autres collègues enseignent la méthodologie de la dissertation historique, d'autres la méthodologie de la dissertation philosophique et même les juristes enseignent la méthodologie de la dissertation juridique. Pourquoi j'insiste vraiment sur le littéraire? La deuxième partie donc, de cette synthèse révision à l'intention de nos chers candidats au baccalauréat, la dissertation littéraire, séquence 2. Et qui parle de dissertation littéraire . On va insister sur les aspects méthodologiques parce que la dissertation littéraire elle est rédigée en fonction d'une méthodologie qui est enseignée. On assure nos candidats, il n'y a pas deux méthodologies. Il y a une méthodologie unique de la dissertation littéraire qu'on soumet à tous nos candidats au baccalauréat. Une dissertation dans son organisation. Donc je mets premièrement organisation de la dissertation. Et qui parle d'organisation de la dissertation parle de l'aspect formel, la forme. La forme. Donc, du point de vue formel, je crois qu'on va le répéter à l'intention de nos candidats au baccalauréat. La répétition, elle est pédagogique, elle permet de retenir. Elle est organisée en trois grandes parties. Donc, on va les aborder un à un, une à une, les parties. Donc, la première partie qui est l'introduction. L'introduction de la dissertation littéraire, comme son nom, il découle du verbe introduire. Introduire veut dire commencer. Donc c'est le début de la dissertation, l'entrée en matière. Je conseille à nos candidats au baccalauréat pour la session 2021 de vraiment considérer que la dissertation littéraire, la réussite de la dissertation littéraire commence par l'introduction. Parce que c'est le premier contact du candidat avec le correcteur. Le correcteur, son premier contact avec le candidat, c'est la copie. Et la copie commence par l'introduction. Donc, dès l'introduction, on peut donner une bonne impression au correcteur. Et dès qu'on réussit à vraiment créer ce lien, cette connexion avec le correcteur, excuse-moi, en ayant fait bonne impression, ça influence positivement la note. Donc, je demande aux élèves, dans l'organisation formelle, l'introduction se résume en un bref paragraphe. C'est un paragraphe unique. D'ailleurs, le souci d'aller à la ligne pour les différentes étapes, c'est un souci simplement de différenciation. Mais normalement, la dissertation dans sa partie introduction doit se tenir en un seul bref paragraphe. C'est vrai qu'on vous a enseigné souvent dans vos différentes classes que pour chaque étape d'aller à la ligne, ça permet de différencier ces différentes étapes. Mais en résumé, l'introduction se résume à un paragraphe, à un bref paragraphe. Donc je souligne un bref paragraphe. Et ce bref paragraphe, on va le décliner en différentes séquences. Première séquence, c'est de situer le sujet dans le contexte général. Donc je mets situer le sujet dans le contexte général. En quoi consiste cette première étape de l'introduction? Situer le sujet dans le contexte général, c'est partir du général au cas particulier du sujet. Il ne faut jamais commencer par le sujet lui-même. Il faut toujours partir du général au particulier. Je vous donne un exemple très simple. Il y a cette pensée de Guy Descartes que j'ai citée. Donc, Guy Descartes affirme, je le cite, « Le roman n'a pas à délivrer de message. Le roman, c'est l'évasion. » Donc, si on posait ou on exposait ce sujet à votre réflexion, il ne faut jamais commencer directement par la pensée de Guy Descartes. Il faut commencer par le contexte général du sujet. Le contexte général du sujet, c'est le roman ou les fonctions du roman en général. Et on va partir des fonctions du roman en général à cette fonction particulière que Guy Descartes attribue au roman, qui est la fonction d'évasion. Donc, c'est ça la première étape. Ensuite, la deuxième étape consistera à poser le problème du sujet ou la problématique du sujet. Donc, poser la problématique du sujet consiste simplement à partir du contexte général qu'on a appelé situer le sujet dans le contexte général au sujet lui-même, en posant l'opinion du sujet. L'opinion, c'est la partie qui précède la consigne. Par exemple, Guy Descartes affirme, je cite, « Le roman n'a pas à délivrer de message, c'est l'évasion. » Fin de citation. Donc, cette partie-là qu'on appelle l'opinion. Poser le problème du sujet, c'est reprendre la pensée de Guy Descartes, dans l'exemple que je viens de citer tout à l'heure. Ensuite, dans la méthodologie de la dissertation, on enseigne à nos élèves ce qu'on appelle la formulation de la problématique. Donc, la formulation de la problématique, en quoi consiste cette étape de l'introduction? Elle consiste simplement à reprendre l'opinion, mais en la formulant simplement sous la forme d'une question. Reprendre l'opinion exprimée dans le sujet, mais en la présentant sous la forme d'une question. C'est ça qu'on appelle la formulation de la problématique. J'ai cité un exemple tout à l'heure, la pensée de Guy Descartes. Je le cite. Le roman n'a pas à délivrer de message, c'est l'évasion. Donc, en posant la problématique concernant cette pensée de Guy Descartes, on peut s'interroger en ces termes. C'est dans ce sens qu'il faudrait se demander si le roman se résume dans la dimension évasive seulement. C'est dans ce sens qu'on se pose la question à savoir si le roman se résume à sa dimension évasive. Donc, on reprend simplement la pensée du sujet et on la présente sous la forme d'une question, soit d'une interrogation directe ou une interrogation indirecte. Et enfin, la dernière étape de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Et évidemment, tout sujet de dissertation est composé de deux parties. Il y a la partie qui vient avant la consigne, qu'on appelle l'opinion, et la partie qui exprime le plan, qu'on appelle la consigne. Et dans la consigne, les orientations liées aux parties du plan sont déjà exprimées. Et l'élève suit simplement les consignes qui sont exprimées, ou en tout cas la consigne qui exprime le plan. À partir de la consigne du sujet, l'élève pourra suivre simplement, voir comment bâtir un plan en fonction de la consigne du sujet. Et justement, aujourd'hui, on sait que les choses ont beaucoup évolué. Donc, la consigne de la dissertation littéraire était plus vague et plus vaste, alors qu'aujourd'hui, avec l'amélioration de ce qu'on appelle les épreuves du baccalauréat dans sa consigne, sous le vocable de consigne améliorée, il suffit de suivre la consigne du sujet pour pouvoir identifier le plan qui s'adapte au sujet de dissertation. Donc, voilà de manière ramassée, dans l'organisation de la dissertation littéraire, l'organisation formelle, la partie introduction. Ensuite, la partie qui va suivre, c'est le développement. Donc, la deuxième partie, c'est le développement. Donc, le développement, c'est comme son nom le dit, c'est simplement la partie qui va permettre d'approfondir la réflexion sur le sujet. Et en fonction du plan qui est annoncé dans l'introduction, on aura le nombre de paragraphes du développement est proportionnel au nombre de parties du plan. Cela veut dire en termes simples que si vous annoncez deux parties dans le plan de l'introduction, vous aurez un nombre de paragraphes qui se résume aussi à deux. Si c'est trois parties qui est annoncé dans le plan de l'introduction, vous aurez trois paragraphes. Donc le développement se résume à des paragraphes argumentatifs. Je souligne paragraphe argumentatif. Donc, chaque paragraphe argumentatif va être simplement l'occasion de répondre à la question concernant chaque partie du plan. Pour la question de Guy Descartes, la problématique de Guy Descartes, le roman n'a pas à délivrer de message. Le roman, c'est l'évasion. Si on vous avait donné comme consigne de réfléchir sur la fonction évasive du roman, d'une part, et d'autre part, les autres fonctions du genre romanesque, dans ce cas, le premier paragraphe doit réfléchir sur la fonction d'évasion du roman. Donc, et qui dit paragraphe argumentatif? Donc, je vais mettre là organisation de chaque paragraphe argumentatif. C'est idée principale, Ensuite, vous allez développer l'idée principale avec des arguments. Ensuite, arguments. Les arguments, ce sont des idées. Et enfin, de temps en temps, on va renforcer les arguments par des illustrations. Illustration par exemple et citation. Plus citation. Donc voilà, chaque paragraphe du développement sera organisé comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle un schéma argumentatif. Qui dit schéma parle d'organisation. Donc la première partie du plan, en s'inspirant de la pensée de Guy Descartes, le roman n'a pas à délivrer de message. Le roman, c'est l'évasion. Si on vous invite à réfléchir sur la fonction évasive d'une part et sur les autres fonctions du roman d'autre part, l'idée principale correspond à chaque partie du plan. Et chaque partie du plan, qui est l'idée principale, sera développée par un certain nombre d'arguments ou des idées. Et de temps en temps, il va falloir que le candidat au baccalauréat illustre de temps en temps ses arguments par des exemples et des citations. Voilà comment on construit, voilà comment on organise un paragraphe argumentatif. Et chaque partie du développement de la dissertation correspond à un paragraphe argumentatif. Une fois qu'on aura organisé l'ensemble des paragraphes du développement selon ce schéma argumentatif, on passe maintenant à la dernière étape de la dissertation littéraire, qui est la conclusion. La conclusion, c'est le verbe conclure. Conclure, c'est finir. Il faut savoir bien finir une dissertation littéraire. Comment bien terminer sa dissertation littéraire? C'est de respecter les trois étapes qui constituent la conclusion de la dissertation littéraire. Donc, je vais mettre conclusion en trois étapes. Et ce sont ces trois étapes qui constituent le dernier paragraphe argumentatif, le dernier paragraphe de la conclusion. Ces trois étapes se résument en un seul paragraphe, un bref paragraphe qui constitue la conclusion. Ces trois étapes, c'est... La première étape, c'est le bilan. Le bilan global du développement. Et qui dit bilan parle de connecteur de bilan. Il va falloir introduire cette première étape, il va falloir l'introduire par un connecteur de bilan. Parmi les connecteurs de bilan, on peut citer, donc je mets là, par connecteur de bilan, parmi les connecteurs de bilan, on peut citer enfin, on peut citer en somme, on peut citer en définitive. Mais toujours est-il que, etc. La première étape de la conclusion de la dissertation littéraire, elle est introduite par un connecteur de bilan pour rédiger ce qu'on appelle le bilan global du développement. Ensuite, deuxième étape de la conclusion de la dissertation littéraire, c'est ce qu'on appelle le point de vue final. Le point de vue final correspondrait dans le vocabulaire de la presse, le mot de la fin. C'est comme si on vous invitait à réfléchir dans un débat écrit. La dissertation, c'est un débat écrit. Et dans la conclusion, après avoir résumé le développement, on exprime le mot de la fin sous le titre de le point de vue final. Mais il faut que ce soit un point de vue final qui ait ses critères. Le critère de la concision, ça ne doit pas tirer en longueur. Le critère de la pertinence, ça doit être un point de vue qui a un sens et une valeur telle que ça peut convaincre le correcteur. Donc, le point de vue final doit répondre à ces deux critères, le critère de la concision et le critère de la pertinence. Le critère de la conclusion, c'est que ça ne doit pas tirer en longueur. Le point de vue final doit être un point de vue bref, mais aussi le point de vue de la pertinence. Il faut que le point de vue final soit un point de vue assez porteur de sens pour que vous puissiez convaincre le correcteur. Le troisième critère que je veux ajouter par rapport au point de vue final, il faut que le point de vue final porte sur le sujet. Si on vous invite à réfléchir sur le roman, ou les fonctions du roman, le point de vue final doit porter sur le roman en général et sur les fonctions du roman en particulier, et non pas sur la poésie. On ne peut pas délivrer un point de vue final sur un sujet de dissertation qui porte sur le roman en s'exprimant sur la poésie. Sinon, on risque de sortir du cadre du sujet. Enfin, la dernière étape de la conclusion, c'est ce qu'on appelle l'élargissement ou l'ouverture de perspective. Élargissement. Il s'agit d'élargir la problématique du sujet ou d'ouvrir des perspectives. Et l'élargissement se fait sous la forme d'une question finale. C'est un questionnement final. Et cette question finale doit aussi porter sur le sujet. Mais l'élève doit avoir, le candidat au baccalauréat doit avoir un pied dans le sujet et un autre pied en dehors du sujet. Il s'agit de partir du sujet et d'élargir la réflexion vers une autre problématique qui est proche du sujet. Et c'est ça toute la délicatesse de cette partie. Nos candidats ont souvent quelques difficultés à réussir, à terminer par la dernière étape de la conclusion qui est l'élargissement. Si j'ai un conseil à leur donner, l'élargissement consiste à avoir un pied dans le sujet et un autre pied en dehors du sujet. C'est-à-dire qu'on ouvre la réflexion sur un thème qui est proche du thème du sujet. C'est ça qu'on appelle la perspective de l'élargissement. Par exemple, le sujet sur lequel j'ai travaillé pour illustrer la dissertation, c'est la pensée de Guy Descartes. Je le cite, le roman n'a pas à délivrer de message, c'est l'évasion. Si vous avez réfléchi sur ce sujet en faisant une introduction, en rédigeant un développement, arrivé jusqu'à la conclusion, on pourrait avoir pour élargissement cette question. Par exemple, est-ce que le roman a des similitudes, par exemple, avec la nouvelle ? Est-ce que le roman présente des ressemblances avec la nouvelle? Cette question, elle est d'autant plus pertinente que certains définissent la nouvelle comme étant un petit roman, c'est-à-dire un roman en miniature. Parce que la nouvelle est un genre littéraire qui est caractérisé comme un récit en prose, mais un récit qui est très simple, qui n'est pas long, contrairement au roman qui s'étire en longueur, comme une histoire simple, alors que l'histoire relatée dans le roman est une histoire complexe, où il y a très peu de personnages dans la nouvelle, alors que dans le roman, le roman est peuplé et meublé par de nombreux personnages, contrairement à la nouvelle. Donc on pourrait proposer comme exemple d'élargissement, est-ce que le roman a des ressemblances avec le genre littéraire de la nouvelle, comme point d'interrogation final. Donc l'élargissement se présente toujours sous la forme d'un questionnement. Élargissement par questionnement. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième séquence. Après la séquence sur le roman, sa définition et ses fonctions, donc on est passé à la deuxième séquence qui consiste à réfléchir sur la méthodologie de la dissertation dans son organisation. Mais ça, c'est les aspects formels. Maintenant, le fond. Je vais terminer rapidement par le fond. Donc ça, c'était l'organisation de la dissertation. Le contenu de la dissertation. Donc, qui parle de organisation formelle, c'est les trois grandes parties, l'introduction, la partie du développement et la conclusion, les aspects un peu méthodologiques. Le contenu de la dissertation, ce sont les idées à développer. Donc, les idées à développer. Donc, les idées doivent répondre à trois critères. Le critère de la pertinence et le critère de la correction dans l'expression. Les idées à développer en respectant le critère de la pertinence . La pertinence des idées, c'est la valeur. Les idées, des idées qui ont une certaine valeur, qui ont une certaine capacité de convaincre. C'est ça, la pertinence. Donc, critère de la pertinence ou capacité des idées à convaincre. Je souligne le verbe « convaincre ». Une idée pertinente, c'est une idée qui est capable de convaincre. L'autre critère des idées, c'est le critère de la correction dans l'expression. Je souligne le critère, mais les deux sont liés. On peut avoir une belle idée, on peut avoir une idée lumineuse, une excellente idée, mais faudrait-il l'exprimer correctement? C'est pourquoi d'ailleurs les deux critères sont liés. Le critère de la pertinence et le critère de la correction dans l'expression. Il faut que nos candidats se résolvent à comprendre que la dissertation littéraire, on peut la résumer en deux mots. On peut la résumer simplement par la pertinence des idées et la correction de l'expression. La pertinence des idées et la correction de l'expression. Parce qu'une dissertation, elle est construite avec des idées. On peut avoir de bonnes idées, de belles idées, mais il faut réussir à les exprimer correctement. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je dis que les idées, en les développant dans le cadre de la dissertation littéraire, il faut veiller à ce que le critère de la pertinence, c'est-à-dire la capacité des idées que vous développez à convaincre le correcteur soit respecté, mais aussi que le critère d'exprimer correctement vos idées pertinentes, que ce critère-là aussi soit respecté. Donc, le contenu de la dissertation, ce qu'on insère dans sa dissertation littéraire, c'est des idées à développer, mais aussi c'est des illustrations, des exemples, plus citations. Et les exemples et les citations, ils viennent renforcer les idées. Donc, ils doivent respecter un certain nombre de critères aussi. Il faut que les exemples et les idées soient adaptés. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une belle citation. On se dit, le jour du baccalauréat, je ferai tout pour insérer cette citation sur ma copie de dissertation. Faudrait-il que la citation soit adaptée au contexte du sujet? Si vous avez une citation sur la poésie et que le sujet de dissertation, tel que celui que j'ai utilisé tout à l'heure comme illustration, porte sur le roman, on ne peut pas illustrer un sujet sur la dissertation par une citation s'inspirant de la poésie. Donc, le critère qu'il faut faire prévaloir dans l'utilisation des exemples et de la citation, c'est le critère de l'adaptation. Il faut que la citation ou l'exemple soit adapté au contexte. Donc, des exemples et des citations avec le respect du critère d'illustration adaptée au sujet. Je souligne illustration adaptée au sujet. Donc, lorsque vous réfléchissez sur un sujet de dissertation, les idées doivent être pertinentes, les idées doivent être correctement exprimées. Les citations qui viennent renforcer ces idées pertinentes et correctement exprimées doivent être des illustrations adaptées au sujet. L'autre erreur à ne pas faire, c'est de faire ce qu'on appelle dans la confusion des auteurs. C'est-à-dire, j'ai cité Guy Descartes tout à l'heure, qui dit, je le cite, « Le roman n'a pas à délivrer de message, c'est l'évasion. » Mais si vous attribuez cette citation à un autre auteur, à Albert Camus, je crois que c'est une erreur à éviter. Il faut être sûr de tout ce que vous couchez sur la copie d'examen. On ne peut pas aller en examen avec des incertitudes. Autant avoir des citations clairement dans votre exprimé, correctement ancrées dans votre esprit, avec des auteurs qu'il faut, à la place qu'il faut, pour éviter ce qu'on appelle la confusion d'auteurs dans la citation, dans les citations que vous faites pour illustrer. Donc je mets là. Éviter les confusions d'auteurs cités. Donc, évitez donc de confondre les auteurs que vous citez. Il faut toujours citer l'auteur qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, voilà de manière ramassée les aspects liés à la méthodologie de la dissertation dans sa dimension formelle, dans la forme et dans le fond de la dissertation littéraire. La dissertation littéraire est proposée au choix aux candidats au baccalauréat avec d'autres épreuves de français, en particulier le résumé suivi de discussion. Et en parlant de résumé suivi de discussion, cela va constituer une transition pour aborder la dernière séquence de notre résumé révision-synthèse, dans la perspective d'accompagner nos élèves, nos candidats au baccalauréat pour la session 2021. Donc, la dissertation littéraire est proposée au choix, entre d'autres épreuves aussi, comme le résumé suivi de discussion. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le résumé suivi de discussion. La difficulté de cette épreuve est dans sa dimension composée. Parce que l'épreuve du résumé suivi de discussion, comme son nom l'indique, donc c'est une épreuve qui se fait, c'est une épreuve unique, mais qui se fait en deux parties. Comme son nom l'indique, la première partie consiste à résumer un texte qu'on soumet au candidat. Et la deuxième partie de cette épreuve unique consiste à proposer un sujet de réflexion tiré du texte de résumé qu'il doit résumer, donc en respectant bien sûr les règles méthodologiques de cette épreuve qui est le résumé suivi de discussion. Donc on passe sans plus tarder à la troisième séquence, le résumé suivi de discussion. Donc, il ne suffit pas d'aller à l'épreuve du baccalauréat en faisant son choix dès le début de l'année scolaire. Non, je crois que nos candidats au baccalauréat, il est déconseillé de faire son choix en se disant que le jour de l'épreuve de français, moi j'ai déjà fait mon choix, je vais réfléchir sur la dissertation ou bien je vais choisir le résumé suivi de discussion, ou bien simplement je vais travailler sur le commentaire de texte. Le choix ne se fait pas à l'avance, non. Il faut maîtriser les méthodologies liées aux trois épreuves, aux trois matières liées à l'épreuve de français. Maîtriser la dissertation littéraire, maîtriser le commentaire de texte littéraire, maîtriser aussi la méthodologie du résumé suivi de discussion. Donc, à propos du résumé suivi de discussion, donc je mets 3, résumé suivi de discussion. On s'arrête d'abord sur la première composante, résumé de texte. Ensuite, on abordera la deuxième composante B, la discussion. Donc, pour le résumé de texte, il a la particularité de ne pas être une épreuve qui n'est pas trop familière aux candidats au baccalauréat, d'autant plus que le résumé est inséré à partir du programme de la classe de seconde. Et en fait, cet exercice qui commence à partir du programme de la classe de seconde présente quelques difficultés. Mais on peut la résumer par trois règles, le résumé. Donc, on peut résumer la méthodologie du résumé par la règle de la réduction, nous en sommes à la troisième séquence, le résumé suivi de discussion. Donc, on va aborder en précisant que le résumé suivi de discussion, c'est une épreuve unique, mais en deux parties. La première partie que nous sommes en train d'aborder, qui est la partie du résumé de texte. Le résumé de texte, on pourrait résumer la méthodologie à travers un certain nombre de règles, à savoir la règle de la réduction. Il faut réduire la longueur du texte. Il faut la règle de la reformulation, reformuler les idées principales du texte, et la règle de la fidélité. Il faut être fidèle au sens général du texte, être fidèle au système d'énonciation, être fidèle aussi au temps verbal dominant. Donc voilà pour me résumer. Donc résumé de texte. Donc, on va lire le résumé de texte. Avec trois règles principales. La réduction. Réfléchie de la longueur du texte. Ensuite, la deuxième règle, ça c'est R1 comme première règle, ensuite R2 comme deuxième règle, c'est la règle de la reformulation. La reformulation du texte initial. Le texte initial, c'est le texte qu'on vous a proposé pour le résumé. Et enfin, la troisième règle, R3, c'est la règle de la fidélité. La fidélité au texte initial. La fidélité au texte, cela veut dire quoi? Cela qu'il faut respecter le sens général du texte qu'on vous a proposé pour le résumer. Il faut respecter le système d'énonciation. Le système d'énonciation, en termes simples, c'est la personne employée. Supposons qu'un texte de résumé est exprimé par la première personne « je ». Vous aussi, en résumant, vous devez exprimer votre résumé final en employant le « je ». Si le texte est exprimé à la troisième personne, c'est la même chose, il faudra proposer un résumé final à la troisième personne. Donc, c'est ça la fidélité au texte. Donc, la fidélité au sens général, ne pas changer, faire dire à l'auteur du texte de résumer ce qu'il n'a pas dit. Donc, dire le sens général, respecter. Et cela a un préalable. Pour pouvoir respecter le sens du texte, il va falloir le comprendre. Donc, il va falloir bien comprendre le texte avant de pouvoir le reformuler. Et en le reformulant, il faut tout faire pour être fidèle au sens. Ne pas changer, trahir le sens du texte de départ. Donc, la fidélité, c'est au sens général, à la personne employée par l'auteur. La personne employée, l'auteur peut employer le « je », la première personne, il peut employer la troisième personne, il, etc. Mais il faut rester fidèle au sens général, à la personne employée par l'auteur. Et il faut respecter le temps verbal dominant. Si un texte est proposé et que la plupart des verbes sont conjugués au présent du mode indicatif, vous aussi, en résumant, il faudra proposer un résumé final où vous aurez à exprimer les différentes idées de votre résumé final en conjuguant les verbes au présent du mode indicatif. Donc, respecter le sens général du texte, respecter la personne employée par l'auteur, et respecter aussi le temps verbal dominant. Donc, je mets le temps verbal dominant. Si dans le texte initial, le temps dominant est le présent du mode indicatif, vous devez proposer un résumé final en respectant ce temps verbal dominant. Donc, le résumé dans sa première phase, le résumé suivi de discussion, dans sa première phase qui est celle du résumé, on peut la présenter dans sa méthodologie sous le vocable de la règle des trois, les trois règles principales que sont la règle de la réduction, je souligne, mais il s'agit d'une réduction réfléchie. J'ai bien qualifié la réduction de réfléchie. Il ne suffit pas de faire ce qu'on appelle du couper-coller. Vous avez un résumé proposé au baccalauréat avec 4 paragraphes, vous enlevez les 2 paragraphes et vous collez les 2 autres. Ce n'est pas du résumé. Donc, il faut que la réduction de la longueur du texte soit une réduction réfléchie. Et ce qui va rendre la réduction réfléchie, c'est par la reformulation. Parce qu'en reformulant, on aura des techniques qui permettent de ne pas utiliser des expressions trop longues, d'utiliser des raccourcis, des équivalents. Et par la reformulation, on parviendra à résumer, à réduire la longueur du texte. Mais tout en reformulant, il faut rester fidèle, je souligne, au sens général du texte, rester fidèle au système d'énonciation, la personne employée par l'auteur, rester fidèle au temps verbal dominant. Voilà donc de manière ramassée les règles méthodologiques du résumé de texte qui se résument aux 3 règles que je viens d'exposer, et qu'on pourrait appeler la règle de la réduction réfléchie, la règle de la reformulation et la fidélité au texte. Voilà la première étape du résumé suivi de discussion, l'étape du résumé. Ensuite, on passe à celle de la discussion. En fait, on ne va pas trop s'appesantir sur la discussion outre mesure, parce que la discussion qui suit le résumé, la discussion, elle est conforme à la méthodologie de la dissertation. La discussion, c'est de la dissertation. Donc, une fois qu'on aura fait le résumé, que le candidat au baccalauréat a réussi à faire le résumé du texte, en passant à la phase de la discussion, En passant à la phase de la discussion, il va appliquer tout bonnement les règles méthodologiques liées à la dissertation. Donc, je crois que s'il y a des nouveautés à appliquer, c'est du point de vue du résumé. Mais une fois que le candidat aura réussi à faire l'étape du résumé, en passant à celle de la discussion, il va appliquer la discussion selon les règles méthodologiques de la dissertation. Selon les règles méthodologiques de la dissertation. Donc la discussion va être rédigée selon les règles méthodologiques de la dissertation. Donc on se renvoie simplement aux règles que j'ai appliquées, les règles liées simplement à l'organisation et les règles qui sont liées au contenu de la dissertation avec les mêmes étapes. L'étape de l'introduction, celle du développement et de la conclusion. S'il y a une légère différence, c'est du point de vue du contenu. Il est vrai que le candidat qui fait une dissertation en 4 heures et le candidat qui a choisi l'épreuve du résumé suivi de discussion, la discussion ne sera pas aussi développée qu'une dissertation classique. Mais dans ces différentes composantes que sont l'introduction, le développement et la conclusion, on aura les mêmes règles méthodologiques à appliquer.